Bienvenue à la ferme, bienvenue pour une autre vidéo de présentation qui porte sur les toutes nouvelles mémoires Ares de chez G-Skill, des mémoires qui, on le voit, sont au format low profile, mais pour autant, vous allez voir, la fréquence est plutôt élevée avec des bons timings. Les Ares que nous avons reçus sont les 2133 MHz en CL9, le tout à 1,65 V en 4 fois 4 Go, donc 16 Go, plutôt à destination d'une plateforme LGA 2011 en quad channel, mais ceci ne vous empêche pas du tout d'installer vos barrettes mémoire en dual channel sur une carte mère équipée de 4 ports DDR3. On va donc déballer rapidement, c'est John qui vous donnera son avis sur ces cartes, sur ces barrettes mémoire. Au niveau bundle, on a donc le petit blister qui n'apprend strictement rien, le petit autocollant G-Skill à coller sur votre tour. Et enfin, on a les 4 barrettes mémoire. Alors, on ne va pas sortir toutes les barrettes, on va seulement en sortir une, histoire d'en faire le tour rapidement. Comme ça, on gardera en image de fond les autres Ares. C'est magnifique, superbe fond d'écran. Voilà donc les Ares de près. On attend que la caméra fasse la mise au point. Nouveau dissipateur, dissipateur low profile, pour permettre une meilleure compatibilité avec tous les ventirades CPU du marché. On le voit sur la petite étiquette, on est sur du 2133 en CL9 11 10 28 à 1,65 V, le tout avec des petits profils XMP ready. On tourne, c'est bleu, c'est toujours le même dissipateur avec un petit autocollant, un PCB noir mat, toujours la petite touche G-Skill ici, vous voyez le petit GC. Alors on va finir par retirer les barrettes parce qu'autrement la caméra ne veut pas faire la mise au point. Le GC pour G-Skill, ça c'est absolument magnifique. C'est un petit détail, mais on a beau dire, les petits détails, c'est parfois ce qui contribue à faire de barrettes mémoire plutôt classiques, de grandes barrettes mémoire. On n'accroche pas trop avec ce nouveau dissipateur, on le trouve un petit peu trop kikoulol. Voilà. En plus, il est bleu plutôt voyant. Il existe en orange plutôt voyant. C'est dommage que G-Skill ne nous propose pas un petit modèle tout noir tout simple, ce qui serait plutôt agréable. Au niveau du prix, pour ce kit 2133 CL9, on est quand même à 141 €. John vous dira très prochainement si ce kit vaut le coup d'être acheté ou non. Et sur ce, on vous dit à bientôt pour des nouvelles vidéos de présentation sur CoCode TV.